Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Chers collègues, les années passant, les Européens ont fini par oublier la plus grande réussite de notre Union, la paix. Cette paix qui nous a permis de construire notre prospérité. Cette paix qui a débouché sur les échanges universitaires, qui a été le terreau fertile de nos libertés. La liberté de circuler, la liberté d'échanger, la liberté d'entreprendre, la liberté de vivre en paix. Ces libertés dont personne, aujourd'hui, ne voudrait se passer. Ce modèle a fait notre attractivité. Et en voulant empêcher l'Ukraine de l'épouser, Vladimir Poutine n'a fait que renforcer sa volonté d'y adhérer. Chers collègues, l'extrême droite peut promouvoir la fin de l'Union. L'extrême gauche trouvait le moindre prétexte pour la décrédibiliser et s'opposer à toute avancée. Mais nous, nous savons ce que nous devons faire, ce que nous devons à l'Europe et ce qu'il reste à faire pour la rendre indépendante et souveraine dans un monde toujours plus incertain, pour en faire une puissance stabilisatrice. Nous le ferons pour l'Ukraine, pour la Moldavie et pour tous les États partageant une volonté de paix. Je vous remercie.